salut les gars, voilà, c'est toujours moi les amants Spita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc comme je vous l'avais promis, voilà, je vais essayer comme ça de postuler à cette bourse là. Ça, c'est la bourse de la République tchèque, comme je vous l'ai dit. Voilà, je vous avais déjà dit, je vous avais déjà montré dans une vidéo sur ma chaîne YouTube où vous devez comme ça essayer comme ça de trouver sur Google une université. Et moi, j'ai essayé sur Google Université et j'ai trouvé la bourse technique d'Ostrava. Voilà, c'est en République tchèque. Donc, pour ceux qui veulent postuler à cette bourse-là, c'est très simple, cette bourse-là. Vous allez, par exemple, pour cette bourse-là comme ça, vous allez, si vous voulez étudier en anglais ou bien en tchèque ou bien, voilà. Donc, c'est à vous de voir. Donc, vous voyez ces applications qui sont là. Ça, c'est pour bachelor, masters et puis doctorat. Et puis ça, c'est lorsque vous avez comme ça fini de postuler, vous pouvez voir ici, ou bien vous pouvez aussi essayer de revenir lorsque vous n'avez pas encore fini de faire votre candidature. Maintenant ici, si vous regardez ici, les amis, préparateur de course, si je viens là, ici je dois d'abord me renseigner avant de pouvoir commencer. Mais dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que si vous faites la licence, le master ou le doctorat, regardez très bien les éléments qui sont là, les dates sont déjà là, et puis voici les conditions qui sont juste en dessous. Voilà, donc si vous regardez ici, ici pour la faculté d'ingénierie, voilà, ingénierie civile, ici c'est, ça a débuté le 14e mois 2022 et ça va se terminer le 31e mois. Donc vous avez au moins quelque chose de moins de aujourd'hui c'est le 26, donc vous avez au moins 5 jours, vous comprenez? Donc pour l'ingénierie, vous avez au moins 5 jours. Maintenant, vous pouvez changer si vous pensez que c'est trop tôt, vous pouvez changer. Ici, par exemple, si vous venez là, ici c'était quoi? Le 1er-7e mois, c'est le 1er juillet et ça finit le 7-8e mois. Voilà, je crois, c'est ça, le 7-8e mois. Donc ici, ça finit, vous regardez très bien ici, ingénierie qui se trouve en anglais, ici par exemple, ça commence le 20-7e mois. Donc aujourd'hui c'est le 26, ça veut dire que ça a déjà commencé. Et ça se termine le 31e mois. Donc ici, vous avez assez de temps. Mais malheureusement, ça poursuit du doctorat. Donc, vérifiez un peu les éléments où vous pensez que vous allez pouvoir postuler. Les éléments où vous pensez que vous avez la chance de pouvoir postuler. Essayez de voir. Et regardez ici aussi, ce sont les conditions pour les admissions. Donc, si je viens par exemple, ingénierie électrique et computer science. Si je viens là et que je clique là. Vous allez voir quelles sont les conditions qu'il me faut, voilà, quelles sont les conditions qu'il me faut pour pouvoir postuler à cette bourse là, vous comprenez, même si c'est un check, voilà, vous pouvez voir ici. Mais dans la plus grande partie de ces éléments là, vous savez déjà que vous ne pouvez pas, ceux par exemple qui ne peuvent pas postuler en anglais ou bien postuler en tchèque actuellement, vous allez devoir faire quoi, l'année de langue avant de pouvoir postuler, vous comprenez. Maintenant, pour ceux qui veulent aller étudier de leurs propres moyens aussi, c'est possible. Vous pouvez venir là. Voilà, vous allez voir les montants. Vous avez vu que pour le bachelor, vous pouvez payer au moins 4000 euros par semestre. Voilà, ça, c'est ceux qui veulent étudier en anglais. Mais ceux qui veulent étudier en français, ça fait au moins 3500 euros. Et ici, si je viens là, je vais comme ça essayer ici de postuler pour la langue. Vous comprenez? Voilà, donc. Ici, ce que l'on va faire, puisque nous on peut pas, on n'a pas le certificat en langue tchèque et puis on n'a pas aussi le certificat en anglais, on va maintenant essayer de faire quoi, de postuler d'abord. Mais ceux qui ont le certificat en anglais, il n'y a pas de problème. Si vous avez un certificat en anglais, vous pouvez postuler à n'importe quelle faculté que vous voulez, quel que soit le niveau d'études que vous avez. Voilà. Maintenant, ceux par exemple comme ça qui n'ont pas de certificat en anglais et qui veulent étudier en tchèque, vous pouvez venir là et chercher maintenant à étudier en tchèque. Ici c'est l'e-application, c'est là que vous allez faire votre candidature. Donc si je clique là, vous allez voir que ça me ramène ici, vous voyez là, ça me ramène là. Donc dans les normes, je dois d'abord créer mon application avant de pouvoir commencer. Mais étant donné que nous on veut pas, on va pas suivre les éléments en anglais ou bien en tchèque pour le moins, on va d'abord faire le cours de langue. Donc le cours de langue, vous venez là, vous cliquez là. Dans les noms, ceux qui ont déjà les paramètres, ils peuvent insérer là. Mais nous qui sommes nouveaux, on va d'abord venir s'inscrire là avant de pouvoir commencer. Voilà, donc vous suivez, on va s'inscrire et puis je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous devez postuler pour pouvoir aller faire des cours de langue chez eux.
Voilà, donc vous cliquez sur l'élément qui est là et vous rentrez le mail qui est là. Donc ici, on nous dit comme ça, je vais mettre en français, comme ça, tout le monde va se servir. Ok, entrez une adresse email valide à laquelle vous pourrez accéder pour les prochains mois. L'université utilisera cette adresse pour communiquer pendant la période d'admission. Le mot de passe est sensible dans la case et doit comporter au moins 6 caractères. Méfiez-vous des paramètres de vos claviers. Ok. Donc ici, on va mettre le mail. Je vais mettre mon email. Après cela, je vais mettre mon mot de passe que moi-même je veux. Donc ici, je mets mon email. Donc, je vais mettre mon email ici. Ça, c'est pour faire l'inscription avant de pouvoir utiliser le service. Ok, le mot de passe que je vais choisir, ça c'est mon mot de passe. Ok, le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères. Donc je vais essayer ce mot de passe là pour voir. Ok, maintenant je confirme ce mot de passe. Ok, arrivé là, j'accepte. Ok, et je m'enregistre. Ok, donc si vous voyez bien, information d'inscription acceptée, un message avec un lien vous est envoyé sur votre compte. Voilà, donc ici je dois faire quoi? Je dois aller sur mon compte pour aller voir un peu le message que j'ai reçu. Et je vois qu'il y a un message qui est là. Donc directement, je peux venir sur ce message là, ou bien vous venez là. Hello, your application for registration has been processed. Click the link here. Donc je peux venir cliquer là. Voilà, et je mets le tout nom sur le site. Donc je clique là et ça me renvoie sur le site. Ainsi, je pourrais maintenant faire quoi? Continuer. Vous voyez, registration successful. Maintenant, je vais continuer en faisant quoi? En cliquant sur login pour pouvoir entrer mes éléments et puis mon mot de passe. Donc, on va aller rapidement et comme ça, on va faire ça ensemble pour que vous sachiez au moins comment ça se passe. Ok, vérifiez. Au moins, on vous dit que avant de faire votre demande de cours préparatoire, au moins une demande d'études doit être dans l'état accepté pour pouvoir postuler un cours préparatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, vous devez d'abord, le plus important, c'est d'avoir une demande d'admission dans une faculté d'abord avant de pouvoir faire quoi? Avant de pouvoir faire l'année de langue. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer d'abord de postuler dans une faculté et essayer d'avoir. Donc comme vous avez vu là, ici vous venez vous créer une nouvelle application et là vous choisissez ce que vous voulez. Si moi je veux faire par exemple économie, je choisis économie. Si je fais faculté de génie de sécurité, je choisis ça. Donc je vais choisir ici génie civil. Voilà. Et génie civil, si je fais la licence par exemple, ici domaine d'études, j'ai mis célibataire, mais c'est licence, comme c'est pas en anglais, je vais mettre en anglais, vous allez voir que ça sort bachelor. Donc ici je vais changer un peu rapidement, je vais mettre ça en anglais pour que ça puisse mieux être présenté, pour que vous puissiez au moins comprendre. Vous voyez là, ça sort bachelor et ça c'est le master, ça c'est le doctorat. Donc si je prends bachelor ici, ça c'est la licence bachelor. Donc il y aura l'année d'enseignement. Vous voyez, il y a deux éléments. Ceux qui ont les certificats, vous pouvez prendre ça. Vous voyez, même quand vous prenez ça, il n'y a pas de pour la licence. Si possible, je prenais pour le master par exemple, ou bien doctorat, voyons voir. Vous voyez que doctorat, il y a des cours qui sont enseignés en anglais, mais master pour cette faculté là, bien sûr, pour cette faculté là, master et bachelor pour civil engineering, vous voyez que il n'y a pas d'enseignement en anglais. Donc ça veut dire que vous allez forcément faire le cours de langue avant de pouvoir postuler à cette demande là. J'espère que vous comprenez. Voilà, donc moi je vais choisir peut-être architecture construction ici. Si vous voyez bien, ça un check. Et puis la date limite ici c'est le 31. La date limite c'est aujourd'hui, vous comprenez. Ici c'est aujourd'hui pour cette date limite, c'est aujourd'hui. Mais si vous prenez peut-être une autre faculté, vous allez voir que la date limite va ici va changer. Si je prenais par exemple pour doctorat, voyons voir, vous voyez ici
La date limite, c'est quand? C'est le 30-11e mois, le 30 novembre 2022. Le 30 novembre 2022. Voilà, donc je vais choisir Bachelor, au moins vous savez de quoi je suis en train de parler. Vous pouvez changer votre faculté, vous allez voir qu'il y aura la date là qui va changer. Chaque faculté a sa date limite. Donc, moi, j'ai choisi quoi? Architecture et construction ici. Donc, si je choisis architecture et construction, je dois d'abord remplir mes personal data, adresse, secondary, school. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais la licence, je dois avoir mes documents de baccalauréat. Ici, previous university attachment, je dois mettre mes documents dessus. Et puis voilà, le summary ici. Voilà, donc, dans un premier temps, ce que vous devez savoir, tant que je n'ai pas encore rempli, je ne pourrai pas avancer. Donc, je serai obligé de remplir ici. Donc, si ici, il met citizen not, non, je vais mettre en français pour que on puisse se retrouver tous. Voilà. Donc, citoyen réfugié, citoyen non connu ou non identifié. Donc, vous mettez citoyen ici. Et votre citoyenneté, vous mettez peut-être Côte d'Ivoire. Si moi, je viens de la Côte d'Ivoire, je mets ici Côte d'Ivoire. Voilà, je mets République de Côte d'Ivoire, je mets Côte d'Ivoire ici. Et résidence permanente en République tchèque, protection temporaire selon la loi Cole. Donc, ça, c'est pas un problème. Ici, diplôme universitaire énuméré avant le. Vous voyez ici c'est un peu coté, donc je n'ai pas bachelor. Ici. Ok, donc votre nom et le nom de famille. Donc si je prends le nom, voilà, le prénom, le nom de famille. Ok, donc diplôme d'université énuméré par le nom. Ici, c'est en français, donc c'est un peu compliqué, mais vous mettez bachelor. Ok. Et numéro de carte nationale d'identité, numéro date de naissance attribuée dans le CSE technologie avant la date de naissance. Ça, si vous mettez ça veut dire que vous l'avez, mais vous n'êtes pas tchèque, donc c'est pas la peine. Donc ici, date de naissance, vous mettez votre date de naissance et vous mettez mal. Donc date de naissance ici, si je vais par exemple comme ça pour la licence, ça veut dire que je peux être né en 2006 peut-être. Voilà, en 2006. Donc ici, je vais choisir 2006, le 4 juillet 2006 par exemple. Voilà. N'oubliez pas, il y a toujours le mois ici avant le jour. Voilà, donc ici, le 4 juillet 2006, nom de naissance, ça sera la même chose ici. Voilà, donc c'est pas la peine de, c'est pas vraiment la peine de mettre. Vous pouvez copier ce qui est là, ce qui est ici, vous allez coller ici. Voilà, et lieu de naissance, moi je mets lieu de naissance. Si je mets par exemple, comme c'est Côte d'Ivoire, je vais mettre Abidjan. Ok, et ici, numéro de mon passeport ou de la carte d'identité. Donc, je vais mettre comme ça un numéro. Voilà, situation de famille. Si vous êtes célibataire, vous mettez célibataire. Ok, donc à partir de là, ça c'est mon adresse mail. Ici, je dois avoir mon numéro de téléphone. Donc, plus 225 44. Ok, si vous voyez bien, on dit V inclut l'indicatif téléphonique. Donc, chez moi ici, c'est quoi? C'est plus 225. Ok. S'il y a un souci, ils vont vous dire qu'il y a un souci et vous allez rectifier. Le niveau d'éducation le plus élevé au moment de l'inscription à l'université. Donc, ça sera forcément ici le baccalauréat, université avec baccalauréat. Ici, terminer l'enseignement secondaire avec certificat de fin d'études. École professionnelle complétée, école professionnelle, collège. Donc, vous prenez ce qui est là. Si je mets en anglais, vous allez voir que ce qui est là va changer. Si je mets en anglais, université avec baccalauréat, en fait, eux, il y a toujours une confusion entre le bachelor et notre baccalauréat. Si vous prenez cela, ce qui est là, ça veut dire que vous avez déjà la licence. Donc, vous serez obligé de prendre ce qui est là.
terminé l'enseignement secondaire, vous avez fini la terminale, vous avez maintenant votre certificat de fin d'études. Donc vous prenez cela et ça applique à partir de quand ici école de base, collège, occupation, ménager, université, université par l'intermédiaire de coopération. Donc ça c'est école de base. Ça applique à partir de l'école de base. Donc ici j'ai fait l'enregistrement. S'il y a des erreurs, ils vont me faire signe, je vais aller rectifier. Il n'y a pas d'erreur, donc ça veut dire que je peux continuer. Donc ici le pays Côte d'Ivoire. Ok, et code postal 1863, la ville Abidjan. Je vais penser qu'elle est là pour voir ce que ça donne. Voilà, ici il y a Abidjan, la rue. Je vais prendre par exemple comme ça Abidjan, la rue. Vous mettez la rue, votre rue ici. Je vais prendre comme ça Abidjan, pour vous dire. Ok, s'il n'y a pas de nom de rue, remplissez plutôt le nom du village. Donc, ils vous ont déjà précisé là, donc si vous ne comprenez pas, s'il n'y a pas de nom de rue, remplissez votre nom du village. Voilà, donc vous devez mettre quelque chose. Le nom du bâtiment, le numéro du bâtiment, non, c'est le bâtiment 4. Ok, donc ici, on dit s'il n'y a pas de numéro du bâtiment, veuillez remplir le numéro 0. Donc vous pouvez mettre ici le numéro 0, ici. Voilà, ça ne change rien, ça ne fait rien. Entrez votre adresse de contact. Donc, l'adresse de contact indiquée sera utilisée comme adresse de correspondance. Donc, vous pouvez cliquer là pour pouvoir remplir votre adresse de contact. Ici, vous allez remplir les éléments d'une personne à contacter en cas d'urgence. Voilà, tout ce qui est là. Mais moi, comme je suis en train de vous montrer un peu comment ça se passe, alors je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, on va continuer un peu rapidement parce qu'il y a encore école secondaire, il y a université, il y a ce qu'elle a là, après le résumé. Voilà, donc je vais continuer rapidement. Donc j'enregistre et puis je passe. Donc ici il y a école secondaire, donc le pays, vous mettez Côte d'Ivoire. Je vais mettre Côte d'Ivoire ici. Ici, type d'école secondaire, je vais mettre quoi, lycée. Voilà, vous pouvez mettre, si c'est, vous avez votre diplôme à l'école technique, vous mettez école technique. Voilà, mais moi je vais mettre lycée ici. Et année d'obtention du diplôme, vous mettez. Donc, si moi je passe là, je mets encore Côte d'Ivoire ici. Je prends le lycée qui est là. Année d'obtention, si je viens pour cette année, je vais mettre comme ça 2021. Voilà. Donc, ici par exemple, comme ça, si vous voulez remplir ce qui est là, n'oubliez pas que les notes chez eux là-bas vont de 1 à 5. Voilà, donc pour ceux qui ont 2 de moyenne, parce que ici je vais mettre en français comme ça, on va tous comprendre. Ok, donc comme je disais ici, par exemple comme ça, la moyenne de toutes les notes du deuxième semestre de l'avant-dernière année de votre école secondaire. Ici, les moyennes vont de 1 à 5. Voilà, donc si par exemple comme ça, vous avez une moyenne qui est compris entre 0 jusqu'à 9, alors si c'est 0 jusqu'à peut-être 5, alors ça veut dire que vous avez 1 sur 5. Si c'est 5 jusqu'à 9, alors c'est 2. Voilà, maintenant une fois que vous partez de 10 jusqu'à de 10 jusqu'à 13 ou bien 14, ça fait 3, et de 15 par exemple comme ça jusqu'à 18. Voilà, de 15 jusqu'à 18, ça fait 4. Et de 19 à 20, c'est 5 sur 5. Vous comprenez? Donc, ici, par exemple, comme ça, si moi j'ai 12 de moyenne, voilà. Si moi j'obtiens 12 de moyenne, je peux mettre par exemple ici 3 ou bien 4. Donc, si c'est 15 de moyenne, je vais mettre 4 ici, c'est 4 sur 5. Alors, j'enregistre et puis j'avance. Vous comprenez? Voilà, donc n'oubliez pas, c'est très important. Aperçu des études dans l'établissement supérieur, ici, primaire, université, rien. Ok, ici, si je clique sur prochain, voyons voir ce qu'on me propose.
ici, les pièces jointes au formulaire de demande. Veuillez télécharger les pièces jointes selon les exigences de la faculté. Taille maximale 5 mégas. Donc, votre dossier, votre document doit avoir 5 mégas au télétaille. Vous ne pouvez télécharger ce type que les éléments qui sont là. Ok, vous pourrez télécharger les pièces jointes même après avoir soumis la demande. Le délai pour les différents types de liens est ok. Donc, on avance rapidement. Donc, ici, on vous demande de télécharger votre pièce jointe. Ne peut être téléchargée que jusqu'au 31 août. Donc, ici, vous avez jusqu'au 31 août pour pouvoir mettre votre dossier en ligne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus important pour vous, c'est de vous enregistrer dans cette université-là. Parce que, une fois que vous vous enregistrez, vous allez avoir encore un mois pour pouvoir télécharger votre document. Donc, vous allez venir, vous cliquez sur télécharger. Ça va dans votre. Vous cliquez ici. Ça va aller dans votre ordinateur et vous allez choisir le dossier. Ici aussi, c'est la même chose. Voilà. Et là aussi, c'est la même chose. Donc, nous sommes là. Et une fois que vous finissez là, vous allez atteindre le résumé. Et à partir du résumé maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur appliquer ou bien submit pour pouvoir appliquer. Voilà. J'aimerais pas que la vidéo prenne assez de temps. Mais si vous voulez, je vais continuer. Pour ceux qui ont des problèmes, vous pouvez écrire en commentaire. Maintenant, ceux aussi qui veulent qu'on poursuive pour eux, vous pouvez nous contacter inbox. Ça sera vite fait et puis bien fait. Parce que nous avons l'expérience pour ça. Donc les gars, c'était moi, Samuel Hospital. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe. Je vous remercie.